Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc pour le DTM dans cette première saison au Noriz Ring, donc en direct de Nuremberg, hein, tout simplement Noriz, tout simplement parce que Nuremberg, et ne pas l'appeler le Nürburgring pour le confondre avec le fameux circuit légendaire, avec Noriz Ring, donc qui est le plus petit circuit où il y a une course qui s'y déroule internationalement. Un circuit très court, 2,3 km, l'un des plus petits au monde, donc avec les trois rivières au Canada, et avec Pau en France, avec un tracé donc en ville, avec le premier virage, le deuxième Grödinker, le premier gros freinage et le plus gros du tracé, avec Schroeder S, très très compliqué aussi à gérer ici sur des voitures quand même qui ont de l'appui mais qui ont tendance à se dérober énormément, avec une autre grande ligne droite, Slebingstreb, un gros freinage encore ici au Dötzendelchker, qui est le septième virage sur un tracé qui en comporte 8, hein, mais on peut dire sur les 8 virages il y a déjà 4 courbes. On peut dire qu'il n'y a tout simplement que 4 virages, hein, à négocier avec des freinages. Et déjà le tour qui se termine avec un tour bien entendu avec moins d'une minute, qui m'a permis de me lancer en pole position. On va donc rien changer, hein, pour cette course. Je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler la suite du DTM sur la chaîne. Mais pour l'instant, rien ne change, avec donc la pole position suivie de Rockenfeller, suivie de Elkström et Peifet en quatrième position. Les Cador qui ont été un peu bousculés, hein, pendant cette course. C'est vrai qu'ici, Wilkins et Glock en cinquième et sixième position. Et ici, tout se joue très rapidement, hein, notamment au dixième près, hein, puisqu'on tourne tous à peu près dans la même seconde, donc c'est rapidement joué, hein. Paul Di Resta 9e, Whitman 10e, hein. C'était des pilotes qui étaient là au Lausitzring il y a deux semaines et qui aujourd'hui se sont un peu fait surprendre, hein. Il n'y a toujours pas Verlaine qui va partir très loin sur une qualification comme ici, ben, c'est vrai que voilà, Verlaine 17e, hein, le nouveau pilote Manor, qui a fait une course et un week-end assez intéressant. Tom Zick et Vitoris, Tom Zick aussi 21e, et on retrouve Auer Scheider en dernière position. Donc le départ va être donné, je pars en pole position, les feux qui s'éteignent, j'enclenche la première. Je vous l'ai déjà dit, hein, sur Race Room, c'est pas comme dans F1 où la première est enclenchée et puis c'est un départ automatique. Là c'est vous qui avez les vraiment en main la procédure de départ. Et si vous accélérez, bien, tout simplement la voiture avance, elle n'est pas bloquée par le jeu. Donc c'est vraiment une procédure de départ assez compliquée à gérer. Et j'arrive à prendre un excellent départ. Donc, pendant que la course va se dérouler, donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pour la suite, avec tout simplement une légère différence. Alors c'est Tigouda la dernière fois, hein, pendant le live, qui nous a vraiment avec Angel, qui nous a éclairé, tout simplement parce que Race Room et on sent le concepteur du jeu a fait des efforts. Travailler sur la simulation, il n'y a rien à dire, hein, le jeu est absolument exceptionnel, je le répète, mais dans les menus c'est vrai que c'est assez merdique. Donc le mode DTM donc 2015, hein, que j'ai dans le jeu, impossible de le trouver, donc c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces par la base du jeu. Mais donc Tigouda qui nous a dit regarde bien en haut et tu verras que tu as le mode DTM déjà tout prêt. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. En effet, il faut envoyer le curseur de la souris. C'est pas affiché. Et une fois que le curseur de la souris atteint le haut de l'écran, en effet, il y a une bande qui sort et vous pouvez y accéder. Alors, si vous n'envoyez pas le curseur, vous ne le voyez pas. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai jamais cherché, parce que c'est assez compliqué, c'est mal indiqué. Et du coup, bien à partir de Zandvoort, donc bien dans deux semaines, on passera sur le mode DTM. Donc pas de classement à la fin de cette course, hein, pour la simple et bonne raison que tout va être chamboulé, puisque le classement c'est moi qui vais les faire maintenant sur tableur, et non plus le jeu, hein, puisque évidemment je vais recommencer un championnat d'un autre côté à partir de Zandvoort, et donc du coup on recommencera de l'autre côté sur la suite du classement en ne changeant absolument rien, hein, l'IA sera pareil, la réglementation donc sera celle du DTM, avec vraiment bien un championnat orienté DTM et plus le championnat proposé par Race Room même, donc tout sera modifié. Donc pas d'inquiétude, donc pas de classement à la fin de cette course, mais le classement qui sera donc dans deux semaines, c'est moi qui le ferai donc à l'issue de la course de Zandvoort sur le nouveau
sur la plateforme donc DTM 2015 avec la vraie réglementation. Parce que là, c'est vrai, vous l'avez vu, hein, c'est assez compliqué. Il y a deux semaines, je me suis fait disqualifier pour en arriver au stand bête. En fait, c'était pour la simple et bonne raison que je suis rentré en marche arrière dans la voie des stands parce que je me suis fait accrocher et que j'étais disqualifié. Donc il fallait que je rentre et faire un stop and go. Et puis là, donc du coup, tout ça sera modifié. Il y aura bien entendu la règle de l'arrêt au stand pour changer et mettre le type de gomme différent. Et la course sprint, donc, ça sera donc vraiment orienté DTM, alors que là, c'est vrai que ça l'était forcément moins. L'IA qui était très très élevé au Logistring a été un peu plus soft ici, hein, on va dire, que ou alors c'est l'IA qui était plus soft, ou c'est moi qui a été meilleur, j'en sais rien, hein. J'ai réussi à freiner un tout petit peu plus tard. Sur les freinages, c'est là où je gagne du temps, parce que vous l'avez vu que dans le S j'en perds énormément. Là aussi, hein, pour ceux qui suivent, qui sont sur Race Room, vous connaissez notre chaîne avec Angel, et eh bien je suis vraiment preneur de réglages, hein, pour le DTM. J'ai l'impression que la voiture est pas géniale en courbe et qu'elle a tendance à fuir, qu'elle survire ou qu'elle souvire. À chaque fois c'est différent, une fois sur deux. Au Lositring, j'ai perdu énormément de temps en courbe, et là j'en perds énormément aussi dans le S, alors que je pourrais sûrement en gagner, et pourquoi pas relever encore un tout petit peu le niveau de l'intelligence artificielle et des pilotes notamment. Donc voilà, alors je vais vous laisser terminer ici au Nürburgring, donc, hein, sur un tracé quand même assez vieux, hein, de 1947. Et donc du coup sur les 2,3 km, donc avec le prochain arrêt au stand. Et donc on se retrouvera donc, hein, vous l'avez bien compris, dans deux semaines eh bien, à Zandvoort, avec le vrai DTM, hein, la vraie saison DTM donc de l'an dernier. Allez, bon, ben, je vous dis à dimanche à Singapour. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.